Nouvelle partie. Accepté. Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme, une relique, l'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent, c'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Ah. Alors, je peux pas bouger? Ok. Ouh là là. Desmond. Oh, t'as un balai dans le cul. Oh là là. Bonjour. Salut, back team. Ah, bah, c'est bien d'avoir ton jeu préféré. En sachant que j'ai pas fait le 1, j'ai pas fait les autres. Hein, Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Très bien, rentrons dans l'Animus. On commence bien. Par contre, je connais l'histoire du 1. Parce que j'avais regardé une personne qui a fait le jeu. Mais après, j'ai pas fait le reste. Sujet 17, Desmond Miles. Sujet 16, confidentiel. Recherche de données pertinentes, oui. Oui, c'est très beau. L'histoire des yeux est très gravée, ouais. On va voir ça. Qui ne pleure pas. Oh ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour, tout va bien se passer. Tu es un auditore, tu es un combattant alors. Mon fils, bats-toi. Faites bouger les jambes. Ok, c'est pas les jambes. Alors, c'est quoi pour les jambes? C'est ça. Les mains. Non. Trouver les touches. Ah bon, j'ai trouvé. Écoutez-moi ça, en
Voilà de beaux poumons. Bah, on verra. On verra si je fais tout. On verra si ce jeu m'intéresse. Ezio Auditore da Firenze. Ouais, ben là, on commence seulement Assassin's Creed 2. Ouais, ben, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Mais pourquoi il a un balai dans le cul? Vas-y, cours. Ah, comme ça, pour courir. Ah, okay. C'est contre-intuitif. Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Pas le droit d'être ici. Ouvrez cette porte. Je vais donner l'alerte. Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré dans le département recherche. Il faut pas rester là. Ça va. Ça. Les voilà. Ils ne doivent pas s'échapper. Bien. Ah, t'es dingue, t'es dingue. Faut bien qu'elle se défende. Dernier étage, s'il vous plaît. Parle-moi des caméras. Je les ai programmées pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien fait pour les escapades nocturnes? Pas bête. Oui, je sais. Desmond, il nous cherche. Il faut pas traîner ici. Mais pourquoi je peux pas courir maintenant? De l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. Ça va, le live est de bonne qualité, il y a des lags? Faut me les dire hein, s'il y a des lags. C'est ça, l'animus? Ne bouge pas. Je bouge. Ouais, mais je peux pas bouger pendant combien de temps? Voilà. Putain, mais j'ai un problème avec la caméra. Attends. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Des animis. Tu dirais quoi, Lucie? Lucie? Ils ont vraiment besoin de tout ça? Desmond. Voilà. Elle a popé devant moi. Quoi? Ce passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Merde. 7, 3, 2, 7, 4. Allez. Ah non, c'était 2, 3, 7, 4. Ezio Auditore machin. On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras plus vite. Mais où ça? Messieurs, bonjour. Attends. Comment on fait pour esquiver? Attends. Ouais. Ouais, comme ça.
plaisante. C'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. Et elle m'enferme. Dans le coffre. Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment? Tu dois nous aider. Quoi? Encore une chasse au trésor dans le temps? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà? Ezio? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un... Ouh, elle marche bien. Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment? Tu es sûr? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte? Déjà? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça? Vous êtes? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh! La mémoire centrale! Alors là, ça fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Ok. Hé, Lucie. Je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Je suis retiré les saletés dans mon clavier. Lucie, je vois des choses. Les symboles dans ma chambre. Le code sur le clavier. Exactement comme à Taïr. C'est l'effet de transfert. Tu ne te contentes pas d'absorber les souvenirs de tes ancêtres. Tu hérites également de leurs aptitudes. En l'occurrence, la vision d'Ève. Pardon? T'es beaucoup plus réceptif. Si ça se passe comme prévu, tout ce que tu apprendras dans l'animus, tu l'assimileras. Tu crois vraiment que ça va marcher? Que je vais devenir un assassin? T'es déjà un assassin. Tu vas seulement t'améliorer. De toute façon, tu ne peux que t'améliorer. Sérieusement, j'ai visionné les vidéos chez Abstergo. Tu n'as rien fait pour t'échapper. Quel con celui-là. C'est tout. Désolé, Desmond. Ah, c'est fini. Pour le moment, je suis occupé. On discutera plus tard. Ils sont bien installés, hein, ces connards. À quoi ça sert, ce truc?
Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Bah toi, tu ne risques pas ta vie, t'es devant un ordinateur. Tiens, Desmond, fiche-moi la paix. Ah, pourquoi on marche comme un... Franchement, on a l'impression qu'il a un balai dans le cul. Hey Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'animus ? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. Vraiment que j'ai mis les graphismes à fond. Ce sera pas long. 2000... Quand il est sorti ce jeu 2000... Ouais, je peux pas utiliser. Alors, comment ça fonctionne ? Évidemment. Inspire à fond. Ah ! Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean ! Quoi ? Un sédatif. Et au dodo. Ouais, j'ai gagné un succès Uplay. D'accord, j'ai rien foutu. Ah, la République de Florence. 1476. Le haut moyen... Non, le bas Moyen-Âge ? Le bas Moyen-Âge, je crois que c'est dans ce sens-là. Début de la Renaissance. De la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Elle a bien tiré. Ah, vas-y, accepte. Mais alors. Mais. J'ai un peu du mal avec les touches.
Option. HD, graphisme HD, HD peut-être. Avant de mordre la poussière. Ah, c'est ça, saisir. Laissez-moi partir. Repliez-vous, repliez-vous. Attends. Quoi? Il faut les achever. Dalev. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. C'est du vol? Oui. Fouiller. Ouais. Putain, combien ça va être long, 200 florins. Allez, on y est presque. Et eux aussi, ils ont besoin d'argent pour se soigner, mais bon. Qu'est-ce que c'est long? Ça va, ça devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. En plus, j'ai gagné 100 florins pour la mission. Allez, Ezio, plutôt tu verras le médecin, plutôt nous irons nous coucher. Mais allons-y. Allons-y, allons-y, Alonso. Quel est le bouton? Ah, ce bouton-là. Bah.
Mais... C'est ma gueule. Ah ah. Mhm. Va savoir. Mais. Bizarre. Bizarre. Ne me touchez pas. Je ne dois pas rester là. Désolé. Mes amis, une saignée chaque semaine, c'est la garantie d'une bonne santé. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Quelle nuit. Ça, oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit ? Jusqu'où ? Jusqu'au toit de cette église. Ok. Sauf que j'arrive pas du tout. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tre. Oups. Pas fait exprès. On dirait une tortue. C'est le bouton espace. C'était le bouton espace que je vais appuyer. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Je suis pas mort. Oui, ça me fait marrer. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer après. Ah. La cantonisation. Comme ça, c'est fait. Oh non, c'est Vieri. Je vais me
caché. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Ah. Je suis pas séparé toi. Hop. Tu m'as mal compris. Ok. Approche. Oh, merci. Mais laisse-moi appuyer. On va passer par là. Voilà, par ici. Et vous voulez que je l'aide à faire les choses. Je suis presque innocent. Voilà. Vive la synchronisation. Mais tu te fous de ma gueule? Oui, mais c'est parce que je sais pas. Mais tu te fous de ma gueule? Voilà. Je vous salue, père. Bien, d'accord. Qu'y a-t-il ? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils ? Je sais que tu t'es battu avec Gary de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon.
J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo Di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Ici, acceptons. Alors. Ah non. C'était la cousine d'Amerigo.
Petite synchronisation. Ezio, mes respects. Vous allez bien? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour? Ils sont partis à la Villa Careggi et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père. Ouais. Alors, toujours pas. Par où toi passer? Ah là. Ah, il y en a un là. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Bon ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ah, j'ai envie de finir les trucs là. Allez, encore une tour et on s'arrête. Par là. Voilà. Allez, donc merci d'être venu et à bientôt.